Bonjour à tous, on se retrouve sur la course de Sud-Yvelines, donc une FSGT de 80 km avec 480 mètres de dénivelé, une vitesse moyenne de 40 km/h. Course effectuée est de 5 tours, donc 5 tours longs et courts à la fois. Et on est une soixantaine, je crois. On est une soixantaine, ouais, sur le départ de cette course. Il fait très chaud, donc c'est le début de la saison d'été. Même si on n'est pas en été, mais vous avez capté, il commence à faire chaud. Très beau soleil. Ça commence direct assez fort par une montée et une route pas très agréable, avec des trous et la route en elle-même est vraiment pas folle. Mais c'est le seul passage pas fou comme ça de la course, bien sûr en montée et fin de route. En montée et vent de face bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc là pour l'instant on est mal placé, donc on est vraiment tout l'arrière, mais on fait avec puisque le départ a été lancé plus tôt que prévu. Donc moi j'étais sur ma GoPro en train de regarder les paramètres et le départ a été lancé sans même être prêt, donc j'avais pas mes lunettes, j'avais encore les doigts dans la GoPro et pas calé, enfin bref voilà. Donc on est là à l'arrière, et donc là comme vous pouvez voir j'ai fait un petit TP dans la bosse de juste après la grande route. Donc là c'est une grande ligne droite avec vent de face, et là on peut voir, bon ça se voit pas forcément parce que j'ai toujours pas changé de PC, donc forcément ça monte, et ça monte longtemps, c'est du faux plat montant à 4-5%. Donc bon, faux plat montant on s'entend bien sûr, mais ça monte assez fort quand même. Là c'est le premier tour, donc ça va encore, c'est pas le plus fort, mais en échauffement ça c'est pas mal, ça pique un peu. Donc là on continue à monter, donc je reste placé, je me replace tout doucement d'ailleurs, parce que sur cette course là c'est assez simple de se replacer. Donc voilà, donc là on remonte tout doucement, comme je vous l'ai dit c'est assez simple de remonter. Donc là vous voyez je remonte tranquillement, je fais mon effort quand même parce qu'il y a du vent. Et on peut voir qu'il y a déjà un groupe qui est parti. Et donc là c'est déjà un peu la chasse, donc ça a borduré. Donc on fait tout pour récupérer le groupe. Sachant que, de souvenir, il y avait encore un autre groupe en échappée du coup, qui s'était installé devant, à quasiment 20-30 secondes devant, ce qui n'est pas négligeable sur ce type de course-là, assez venteuse et très rapide. Donc voilà, donc on se cache dans les roues, on fait le moins d'efforts possible, même s'il faut appuyer quand même. Donc là je décide d'essayer d'aller récupérer l'échappée, mais Dimitri m'a clairement crié que non, fallait pas que j'y aille. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc là qu'on peut voir, il y a un tout petit groupe qui s'est barré. Moi je fais tout pour récupérer le groupe, on roule à 50-55 et on met quasiment du 500 watts pour rouler à ce genre de vitesse là. Mais comme je vous l'ai dit, premier tour, donc on essaye de pas faire trop d'efforts quand même, parce que bah, c'est le premier tour. Et que la course est certes rapide, mais c'est chaud.
Donc là, comme on peut voir, on fait des petits relais bien soutenus quand même. Donc là, avant-dernier tour, ouais, on fait vite parce que du coup on a récupéré le groupe de tête et là on est sur l'avant-dernier tour et on met en place une petite stratégie dans le faux plat montant et la longue ligne droite vent de face de rouler comme des porcs, donc gros train et on tourne, on fait des relais assez courts pour faire le plus de dégâts derrière. Et comme c'était prévu, on a fait pas mal de dégâts. Sauf que ce genre d'effort là, moi je. Effort long et trop soutenu comme ça, où je mets toute la patate d'un coup, bah j'avais pas franchement le niveau pour tenir. Et d'ailleurs, je faisais partie des derniers qui arrivaient à tenir déjà son rythme en fin de relais. Sachant qu'on a fait 3 bornes comme ça, à peu près en vent de face. À 400-500 watts. J'exagère peut-être un peu, mais on n'était pas si loin que ça. Donc là, tout le monde y met la main. Même des gens du pack. Voilà, donc je vous ai mis un petit accéléré histoire que ça ne soit pas trop long quand même. Mais bon, comme on peut le voir, on a tourné pendant assez longtemps. Ah oui, désolé, en ce moment les vidéos elles sortent un peu en retard, mais en 2 semaines quasiment j'ai fait révision à fond. Et là donc j'ai fini mon bac. Et là on attend juste les résultats. Donc automatiquement les vidéos ont mis un peu de temps à sortir. Du coup j'ai pas mal de vidéos en cours. Du coup je mets un peu tout en même temps. Et du coup je me perds un peu. Du coup j'ai un peu de démotivation en vrai de vrai. Donc j'essaye de faire ça au plus vite. Mais bon, comme là par exemple la vidéo elle est sortie mardi, je pense qu'elle va sortir mardi. Clairement les voix off et comme ça c'est rapide à faire, mais c'est tout le reste montage, exportation, parce que comme je vous l'ai dit, le PC il est un peu en voie de décès quoi. RIP le PC, il galère de ouf, donc on fait avec. Mais... Donc on revient au sujet de la vidéo. Donc là comme on peut voir, j'ai complètement arrêté de pédaler. Enfin, j'ai pas arrêté, mais le relais était un peu trop dur à mon goût et j'ai pas réussi à tenir le cul de Noé. Donc là comme on peut voir, du coup je voulais faire un petit tour du circuit en passant. Donc après c'est grande descente et un virage à 90 au bout en descente. Donc assez dangereux et on va pouvoir le voir après. Donc là on arrive sur le dernier tour. Donc là on est dans la descente du dernier tour, donc fin de course dans la descente. On va pouvoir voir un très beau virage de nos parts, de leur part surtout, parce que moi je le voyais venir un peu. Et donc là on roulait à 50 à peu près et on était toujours une quinzaine. Et comme on peut voir, le virage à 90 arrive assez rapidement
Et moi, genre vraiment, ils ont freiné au dernier moment parce que après le virage, ça monte et il y a des dodanes. Donc, si t'es placé devant, t'es bien. Si t'es placé à l'arrière, t'es pas bien. Et du coup, tout le monde se battait pour freiner au plus tard pour passer le plus devant. Donc, tout le monde se battait pour la place. Et tout simplement, ça a amené à quelque chose d'assez dangereux. Sachant que les routes étaient plus ou moins ouvertes. Donc là, par exemple, on n'avait pas forcément le droit d'aller sur l'autre côté de la route. Mais on faisait avec. Et donc là, comme on peut voir, il y a des personnes qui ont fini dans l'herbe. Dont Rémi qui a failli taper le trottoir aussi. Donc du coup, on est mal placé. Mais moi, je jouais pas grand chose. Même si j'ai mis la main à la patte. Et Noé, notre entraîneur, a réussi à sprinter du mieux qu'il pouvait et gagner cette course. Donc là, comme on peut le voir, il est juste devant. Là, je suis en troisième ligne. Et là, ça commence à sprinter. Et comme on peut voir, il y a deux douanes et c'est en montée. Et donc là, tu vois, il est un peu bloqué. Mais il va faire de son mieux pour la dépasser et sprinter tout ce qu'il a pour gagner la course. Donc on peut le voir tout devant à cet instant. Voilà, on voit plus, mais voilà. Donc moi je veux pédale encore, mais c'est histoire de gratter des places. Et voilà l'arrivée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai mis un peu de temps à la faire malgré tout. Ça a mis un peu trop de temps à mon goût d'ailleurs. Mais bon, le bac c'est fini, du coup j'avais mettre tous mes efforts pour sortir le plus de vidéos en temps et en heure, si possible. À toutes!